Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on continue notre Bugatti de chez Altaïa avec les numéros 99, 100 et 101. On pense à s'abonner à la chaîne et on est parti pour ce montage. Nos numéros 99, 100 et 101. La Bugatti Chiron partie 2, première livraison. Le billard Bugatti, la rencontre du jeu et du Lutz. Elle est vraiment superbe. €250 000 sans les options. Affolant pour un billard. Le prince de Siskria, le garde-boue avant droit, notre pas à pas, notre résultat, le 100, Bugatti Chiron 4005, le prototype ultime, la Bugatti EB110, les designs refusés. La Bugatti Chiron, le rotor de Juan Pablo Montoya. Le passage de roue avant. Bon ben ça, je l'avais déjà fait. Notre pas à pas, notre résultat final. Le 101, Bugatti Stelvio, ouverture vers le ciel. La type 40. Andy Wallace, pilote d'essai chez Bugatti. Les prises d'air latérales. On va venir mettre nos portes également et notre résultat final. On vient positionner notre aile par ici. Comme ceci. On va mettre 3 vis DS02 par ici. On prend ensuite des vis DS06. Et on en met deux dans le coin par là pour tenir l'ensemble. Et voilà pour ce numéro 99. Un autre 100, on vient au premier sur le côté de notre modèle par ici. Donc une fois qu'on a mis le haut en place, bon moi je l'avais déjà mis avant, on vient mettre une vis PS10 sur le côté. Juste ici. On vient ensuite par là, on en met une ici. On peut ensuite venir mettre le cache qui nous restait, 94B. Donc voilà pour la partie sur le modèle déjà. On revient ensuite sur notre carrosserie. On prend
le garde debout avant droit. Donc marqué derrière. On vient le mettre de ce côté-là. On le tient avec deux vis d'aise 0,2. On fait pareil de l'autre côté avec le gauche. Voilà. Et du coup, voilà pour ce numéro 100. Alors, note 101, on prend déjà notre pièce A. Donc la prise d'air latérale droite. Donc qui va être marquée derrière. On va venir mettre notre pièce C dedans. Comme ça, juste ici. On vient le mettre ensuite juste ici. Et des vis PS05 par l'intérieur, on va en mettre deux. Comme ceci. On fait pareil avec l'autre côté. Faut penser à venir rabattre les petites languettes après pour qu'elles ressortent. On vient la mettre en place. Et on met nos vis. On va pouvoir venir ensuite installer nos portières. Comme ça ici et juste dans le coin par là on va y mettre deux vis DS02. On va mettre une donc dans le trou du bas ils disent. On va mettre l'autre portière en face. Et voilà pour ce numéro, nos portières sont installées. Superbe. Et voilà pour ces trois numéros-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On s'abonne, on like, on partage. On vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!